Pas besoin d'être ornithologue pour observer le héron cendré, l'aigrette garzette ou encore le goéland lecoffé. Pour avoir une chance de voir passer un balbuzard pêcheur, c'est une autre histoire. Règle numéro 1, se lever tôt. Règle numéro 2, demander du renfort. Quand je vois du goéland, un peu de cygne, pas de balbuzard. Olivier Loire et Damien Rochier travaillent à la Ligue de protection des oiseaux en Anjou. Ils suivent le balbuzard et son évolution dans la région depuis maintenant 2 ans. T'as vu, c'est l'heure de la toilette là. Hein. Ouais. Elle lisse les plumes. Il y en a deux qui sont bien en train de se reposer là. Règle numéro 3. Se placer sur un secteur fréquenté par le balbuzard, en repérant les arbres ou souches mortes qui peuvent servir de perchoir aux rapaces. Règle numéro 4, attention où l'on pose les pieds, surtout quand on a le nez en l'air. On a 3 espèces qui sont d'intérêt patrimonial et qui nichent sur ces secteurs, qui sont la sterne naine, la sterne Pierre Garin et le petit gravelot. Il faut faire surtout attention aux alarmes des adultes qui vont avoir tendance à voler au-dessus de la tête et se mettre à crier très fort et à éviter en fait d'écraser les œufs de ces espèces. Ah, c'est quoi ça? Oh, nouveau balbu! C'est pas un balbu. Bon de réapivore. Ah, je croyais que c'était, ça faisait très clair. Ah, oh, je me suis fait avoir, ça a filé vite. Moi aussi, hein. Règle numéro X, ne pas s'emballer. Donc le balbuzard pêcheur, en fait, c'est l'un des seuls rapaces en Maine-et-Loire et même en France à être spécialisé dans la pêche. Quand on a la chance de l'observer relativement près, on distingue nettement en fait un petit bandeau noir en fait qui barre l'œil. Et puis la dernière caractéristique, mais il faut vraiment être là au bon moment, c'est au moment de la pêche où l'oiseau va pratiquer en fait une pêche en piqué. Donc l'oiseau va piquer sur sa proie une fois qu'il l'a repérée et peut même descendre jusqu'à quasiment 1 mètre sous le niveau de l'eau. Au début du XXe siècle, le balbuzard était considéré comme un nuisible. Chassé ou électrocuté par les lignes électriques récemment installées, il disparaît du paysage ligérien pendant plus de 75 ans. Il bénéficie aujourd'hui d'une protection rapprochée, notamment par la LPO. Moi, quand je dessine, que j'expose, ça sert aussi à quelque chose, il y a un côté pédagogique. Et si on peut arriver à sensibiliser les gens au travers d'un dessin, moi ça me plaît, oui. C'est pas qu'une activité artistique, il y a un engagement aussi un peu militant. Là, ah, il y a quelque chose. Ah, c'est un balbu. Alors donc, là on voit bien en fait son vol assez puissant. Donc il est en train de cercler, on voit qu'il est relativement clair, assez peu de taches en fait sur le dessous, donc je pense que ce serait probablement un mâle. Il cercle un petit peu, ouais, il est en train de redescendre sur la Loire. Ah, il tombe en piqué, oui, action de pêche. Là il vient de prendre un petit poisson, sûrement un mulet. Donc là il est 20h35, donc voilà, sûrement, probablement son dernier passage pour la soirée, je pense. On va en profiter encore un tout petit peu, avant qu'il disparaisse derrière les arbres. Ah, vraiment excellent.